Il a une vie assez incroyable. D'abord, il est révolutionnaire dans sa Valence natale. Ensuite, il part en Amérique latine. Il se fait colon. Et puis, il revient ruiné, complètement ruiné à Paris en 1914. Ses entreprises en Argentine n'ont pas du tout fonctionné. Il se remet à faire de l'édition pour se refaire, pour gagner de l'argent et aussi à faire des films. Et il va aussi se rendre compte que la guerre, en fait, est une véritable aubaine éditoriale et commerciale. Il aime bien, d'ailleurs, dans les interviews qu'il donne à l'époque, puisque c'est quand même une célébrité, dire qu'il est un nouveau Christophe Colomb, qu'il est une sorte d'Ulysse qui jamais ne reste en place, qui est toujours en mouvement, ou peut-être encore plus qu'un aventurier, un conquérant. Et en tout cas, c'est cette image qu'il donne et qu'on trouve aussi dans une lettre où il explique que son ambition, c'est d'être un romancier cinéaste universel. Et il dit que cette place, c'est un Espagnol, lui, qui va la conquérir. Qui est Blasco Ibáñez quand il arrive à Paris en 1914 ? En fait, à ce moment-là, Blasco Ibáñez est déjà un auteur connu et reconnu dans notre pays. Il a été publié par Calmann Lévy, une importante maison d'édition. Ses romans sont traduits évidemment en français. Et il a aussi déjà, en 1906, reçu la Légion d'honneur. Donc quand il arrive en France, en 1914, il va utiliser tous ses liens politiques et littéraires pour faire prospérer sa nouvelle entreprise, la maison d'édition Prométhéo. Et il va déployer une énergie considérable pour faire prospérer cette entreprise. Et il va même créer une branche cinématographique, Prométhéo Film. Alors, à ce moment-là, il commence à faire des films patriotiques. Blasco Ibáñez veut aussi être un écrivain moderne. C'est pour ça aussi qu'il fait du cinéma. Et il travaille avec les jeunes gens qui animent la revue Le Film à l'époque et qui ont une vingtaine d'années. Blasco, à ce moment-là, serait le cinéaste espagnol du cinéma français le moins connu. Je crois qu'on peut le dire, parce que Blasco Ibáñez, finalement, de son temps, était très connu. Et le film « Debout les morts », qui a été adapté pendant la guerre de son roman à succès « Les quatre cavaliers de l'Apocalypse », a été très important pour l'époque. Des célébrités du monde du spectacle parisien y ont participé, des acteurs de la comédie française, les membres de la revue « Le Film ». Donc vraiment, c'est un film qui a mobilisé énormément d'énergie. Et Blasco Ibáñez, finalement, a marqué aussi ces esprits-là, ces personnes qui ont travaillé avec lui. Par exemple, Henri Diamant-Berger, dans les années 50, se souvient de sa rencontre avec Blasco Ibáñez et de l'importance qu'elle a eue pour sa carrière. Et puis aussi, Blasco Ibáñez était important d'un point de vue diplomatique pour les relations de la France avec l'Espagne, mais aussi avec l'Amérique latine. Il construit réellement une stratégie médiatique. Blasco Ibáñez comprend tout de suite le pouvoir médiatique de l'image. Quand il arrive en France, il habite à Paris, et il comprend qu'il a une position de témoin direct du conflit. Et il va savoir l'utiliser pour montrer la guerre aux gens. Et donc, il se tourne d'abord vers la photographie. Il obtient l'autorisation d'aller sur le front. Il part avec un photographe, et là, il capte la guerre sur le vif. Et puis ensuite, il se rend compte que le cinéma, peut-être, sera encore plus puissant sur le plan médiatique. Et il commence donc à tourner des films. Et pour cela, il va se rendre compte aussi qu'en tant que romancier, le succès de ses romans peut bénéficier au succès de ses films. Et entre les deux, il y a tous les avatars cinématographiques, les ciné-romans, les affiches, la presse aussi, qui relaie beaucoup les films à l'époque. Et Blasco Ibáñez va énormément s'en servir. Donc il va mettre tous ces moyens-là, tous ces moyens médiatiques à disposition. Il va les utiliser pour la propagande pro-alliée pendant la Première Guerre mondiale. Et sans doute, il n'aurait pas pu le faire sans l'aide du gouvernement français, de Raymond Poincaré, le président de la République, qu'il rencontre au tout début de la guerre. À la fin de sa vie, Blasco Ibáñez est connu universellement, même si aujourd'hui il a été oublié. Il est traduit dans toutes les langues et des films adaptés de son œuvre sont produits dans énormément de pays.